On fait un petit sujet en fait sur les invités du Premier ministre. Vous en faites partie, je crois. Non, mais je ne vous répondrai pas. D'accord. Non, parce que d'abord, je ne sais pas vous répondre. Ensuite, je n'ai pas envie. C'est une technique du journalisme de combat rapproché. Il faut arriver, bah, c'est 40 ans d'expérience, 40 ans de boulot. On voulait juste savoir si d'un point de vue éthique, entre guillemets, ça ne vous pose pas de problème. Donc vous. C'est que vous avez une idée de l'éthique. Préconçue. On a une idée de l'éthique. Préconçue. C'est-à-dire, vous pensez que si au bout de 40 ans de boulot, je réussis à être proche du Premier ministre à un moment essentiel dans la vie politique, vous pensez que c'est ce que vous entendez, que ce que vous sous-entendez, qu'il y a au fond une connivence, voire une corruption. Bah, on peut se dire que quand vous êtes pris en charge par les sous de l'État, vous avez moins d'indépendance que quand c'est vous qui payez. Ben voilà, c'est ce que j'appelle avoir les idées complètement préconçues, etc. J'ai voyagé avec tous les ministres de tous les côtés, de tous les clans, de toutes les couleurs politiques, dans toute ma vie. Je ne me suis jamais senti inféodé à aucun.